Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dessiner donc Zoro de One Piece. Allez, c'est parti. Donc, on commence toujours avec cette grille de proportion. Donc là, c'est des carrés pour le coup de 4 cm par 4 cm. Mais vous pouvez faire des carrés de dimensions que vous souhaitez. Alors, donc là, vous voyez que j'ai commencé par faire le nez et la bouche. D'accord. Le nez, comme vous voyez, il est dans la partie supérieure du carré. C4. La bouche, elle est entre les carrés B4 et B5. Les yeux, voilà. Donc repérez bien la longueur d'un œil par rapport aux dimensions d'un carré. Donc, ils font à peu près les trois quarts de la largeur d'un carré. Voilà, donc là, je vais attaquer le froncement des sourcils, des petits traits. Donc pour ce tutoriel de comment dessiner Zoro de One Piece. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées pour les prochains tutos en commentaire. Voilà, donc là, on attaque. On va attaquer donc les cheveux, on délimite les cheveux. Là, on va voir l'angle de la mandibule, de la mâchoire. Vous voyez un petit peu le repère là pour la largeur du menton. La largeur du menton, c'est l'espacement entre les deux yeux tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc là, on a les oreilles. Donc la partie supérieure des oreilles qui est à la hauteur des yeux et le lobe au niveau de la commissure des lèvres, légèrement au-dessus de la commissure des lèvres pour le lobe des oreilles. Voilà l'intérieur des yeux, l'intérieur des oreilles. Voilà comme ceci. Tac, toujours important de garder les bonnes proportions, les oreilles bien à la bonne hauteur, c'est ça. Il fera que votre dessin sera réussi à la fin. Donc le cou, la largeur du cou. Ah, donc vous partez à partir du mandibule, de l'angle de la mâchoire, c'est à peu près là où commence le cou. Donc là vous aurez à peu près la forme, le volume de la chevelure. Hein. Donc, repérez bien les cases. Donc là quelques plissements, quelques froncements au niveau du front. Et on commence par les petites mèches. Vous voyez, c'est des petits pics comme ça. Très facile à faire. Là, je viens commencer à placer des points. Donc ça va être le sommet des pics des cheveux. C'est plus simple comme ça, je trouve. Une fois que les points et les sommets sont placés, vous n'avez plus qu'à faire vos petites mèches. D'accord? Tout simplement. Vous voyez? Très simple, faites des petites ondulations pour former donc des mèches de cheveux. Donc là pareil, hein, pas besoin d'être précis à 100%, ce sont des mèches des cheveux, de cheveux qui sont en mouvement. Vous connaissez à peu près la forme qu'elles ont. Elles peuvent onduler et être placées à plusieurs endroits différents. Il n'y a pas de science exacte sur l'emplacement des pics de la chevelure. Voilà, quelques petits traits dans la chevelure, et donc déjà vous avez votre dessin qui est formé à 80%, on va dire. Voilà, donc là j'attaque les trapèzes et on va attaquer donc le vêtement, les plis au niveau du vêtement comme cela. Donc le vêtement qui va suivre la ligne de l'épaule et du trapèze. Voilà le haut des pectoraux, la fourchette sternale, la pomme d'Adam et la zone d'ombre projetée par le menton,
par le mandibule inférieur. D'accord ? Là, je viens commencer à esquisser la forme donc des boucles d'oreilles de Zoro, de One Piece. Comme ceci, la cicatrice. Et voilà, petit trou au niveau du nez. On vient finir donc le vêtement. Voilà, on remonte la feuille. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire l'ancrage. Voilà l'ancrage. Donc une fois que votre dessin est fait au crayon, au bouillon, très facilement vous allez pouvoir faire donc l'ancrage de votre dessin. Là j'utilise un feutre donc pointe 0,5 puisque il est assez rapproché, assez zoomé. Le 0,5 je pense fait l'affaire. Voilà, donc là vous appliquez, vous essayez de faire des traits assez nets. Le menton, les traits du menton, important de réussir votre menton. Voilà l'oreille, l'intérieur de l'oreille. Là, il n'y a pas de difficulté puisque votre dessin est déjà construit au crayon de papier. Pareil avec vos mèches. Des bonnes ondulations. Essayez de faire vos pointes. Les pointes des mèches de cheveux le plus pointu possible. Donc ça, vous pouvez jouer avec la pression de votre feutre. En relâchant la pression de votre feutre sur le papier, ça va vous aider à faire des pointes de cheveux pointues. Donc voilà, là je laisse la partie ombragée et puis on va commencer tout simplement à colorier donc le dessin. C'est un feutre à alcool couleur vert. Voilà, comme ceci. Voilà, on vient foncer, donc il y a des parties assez ombragées avec des ombres fortes qui sont sous les mèches de cheveux notamment au niveau des tempes. Et donc là, on va pouvoir commencer à colorer la peau du personnage. Voilà, j'avais oublié une paupière. Et donc là, je continue. Bon, vous voyez là, j'ai utilisé la pointe fine du feutre à alcool. À refaire, j'utiliserai l'autre pointe. Vous voyez, je pense que le rendu, vous verrez tout à l'heure quand je fais la partie droite du visage, mais le rendu est meilleur avec une pointe biseau, avec la pointe biseau. Vous allez voir la différence. Donc là, j'utilise la pointe biseau et je trouve que la couleur est plus homogène. On voit moins les traits de coloriage. Ça, c'est net. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir corriger ça tout à l'heure au crayon de couleur. Et puis comme je vous disais, rien ne faire de faire un dessin parfait. L'essentiel est de se faire plaisir. Donc là, des ombres un peu plus marquées en repassant. Donc là voilà, j'attaque la couleur du kimono, du vêtement. Voilà. Donc là vous avez une base, déjà une première base, et donc vous allez pouvoir maintenant appliquer des couleurs, des zones d'ombre au crayon de couleur tout simplement. Voilà les ombres fortes là qui sont au niveau des arcades, des sourcils, au niveau des tempes pour la chevelure. Voilà les mèches. Voilà, bien.
là, je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, ça va me permettre d'homogénéiser ce petit coup de crayon là sur la peau, là, pour donner une couleur plus homogène. Voilà. Avec le pouce, le doigt, vous pouvez venir estomper donc les traits de crayon. Après, il est toujours possible de rajouter du détail, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, là, j'ai choisi de rajouter encore des zones d'ombre sur le personnage. Notamment, voilà, au niveau du cou, au niveau de la fourchette sternale, les ombres portées par le vêtement. Et je viens estomper donc là avec un mouchoir en papier pour le coup. Quelques petites ombres au niveau, voilà, sur les dents, dans les yeux. Le blanc des yeux n'est jamais complètement blanc, il y a toujours une petite partie d'ombre. Voilà, et là je viens poser un feutre par-dessus qui vient lisser, homogénéiser donc les traits de crayon. Qui vient mélanger le pigment. Voilà, pareil au niveau des cheveux. Et donc voilà, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à me proposer, à me donner des idées dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.